Ah. Oh, j'ai flippé. Pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, j'ai attendu une demi-heure avant que ça lance. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Il faudra d'abord réussir à s'infiltrer par voie aérienne. La cible est actuellement défendue par des tourelles. Nos avions essuieront des tirs directs. Le voyage ne sera pas de tourbeau. En gros, on va être dans l'avion, on va se faire latter la gueule. Leur premier objectif, l'un des 8 lance-missiles ennemis que nous avons localisé. Il y en a un exactement à la tyrolienne, là où j'aime bien spawn. Donc on va devoir faire le tour de Zaya et tout activer. Du coup, on est censé se faire latter la gueule, là. Allez, hop. Vas-y. Il y a un missile ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien fait, ça. D'accord. Ouais, je sais à quoi ça ressemble. C'est très joli. Ok, j'ai mes armes. Je me loot un peu. Parce qu'il est hors de question que je me fasse hot drop et buter. C'est quoi, ça? Mais non, il y a des Norbi partout. Attends, mais c'est que des bots? Ça ressemble à un vrai joueur, ça. Tous les vrais joueurs sont potes? No way. Armement du lance-missile. On est en train de l'armer. On est en train de l'armer. On garde la position. Je garde la position. Armement du lance-missile. Oh mon dieu, c'est tellement long. Je ne sais pas si on va y arriver. Ok, on est en capture maximale. Mais un autre hélicoptère ennemi nous rush dessus. Oh mon dieu, oh mon dieu. Touché. Touché. Je les ai saccagés, heureusement. Dans le mille. Je suis là pour couvrir. Ok. Lance-missile presque fini. It's totally awesome, man. Ok, il y a une autre team de méchants. Heureusement, je suis là au Strela et... Vous pouvez débarquer, les refs. Vous pouvez débarquer. Débarquer, débarquer, débarquer. L'armement du missile est bientôt fini. Faut juste que je me positionne correctement. Oh, le voilà armé. J'ai bien fait mon travail. Ils m'ont envoyé un blindé. Il est pour moi. Allez, montez les garçons. Montez, on se déplace. C'est bon, j'ai pris mes troupes avec moi. Il y en a 3 sur 8. Vite, allons faire celui de gauche. Allez. En fait, ils ont racheté des bots. Non, non, je viens de perdre le contrôle. Non. Ah. Ah, c'est quoi ces rebonds bizarres que je fais? Échappatoire. Virage à gauche. Mauvais rebond. Hauteur droite. Virage serré sur la droite. Il faut vraiment qu'on aille désactiver ce lance-missile. Ça a mal tourné pour l'équipe, sinon. C'est pas maniable, cette merde. Ah, le collègue est mort. Il vient de se faire tuer par des bots. Hop. Vas-y. Attends, je m'en occupe moi-même. Take it, Stan. Pas de saut perfect. Non, il nous envoie les hélicoptères de combat. Oh, grenade! Oh, grenade! On est à l'avant-dernier silo de missiles. On s'en occupe, les gars. Vous en faites pas. La poutre de Bamako se lève. Je répète, la poutre est levée. Elle est rigide. On dirait de l'acier forgé. Je prends l'hélicoptère. Tout devient beaucoup trop risqué. Ah, ils viennent me dire merci. Si tu veux que je te prenne en hélicoptère moi aussi, c'est parfait. Lancement des missiles est imminent. Yaka. 8 secondes. On évacue la zone. On évacue. On évacue. On saute. POV maximal. Le missile décolle. Aux 4 coins. Oh my god. Ils n'ont pas touché leur cible. Je répète, ils n'ont pas touché leur cible. Zarquois électrique menacé. Je pars chercher un véhicule. Vous en faites pas. Regardez, un coup de frein à main et c'est réglé. La Tesla, elle prend l'eau. Mais ça lui fait pas peur. J'ai trouvé un raccourci. J'ai l'impression qu'il y a un hélicoptère de combat, les gars, là où je viens d'atterrir.
Tu manques rien pour attendre, je vais t'exploser. Il a une direction assistée vraiment exceptionnelle. Je viens de lui lâcher 3 charges dessus. Voilà que cet enculé rétorque. Et voilà. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce qu'il a lâché? Je sens que je dois monter dans l'avion, mais je suis pas sûr de moi. Ok. Ok, je suis maintenant un mastodonte. Un mastodonte dans une voiture. Logique. Pourquoi je prends des dégâts? Et pourquoi je suis aussi gros? J'ai pas vu que c'était du gaz. C'est bon. C'est qui? T'as pris la confiance? Tu sais qui je suis? Souka! Souka! Infiltrer le bunker caché. C'est bon, je suis dans le bunker. On dirait qu'il y a, il y a une embrouille devant le frère. No problem. No problem, ma frère, no problem. Je suis un mastodonte avec un Glock automatique. Masque à gaz chaud. Ça veut pas ramasser le masque à gaz tant que je suis un masto. Je serai l'homme qui... On me tire dessus. On me tire dessus. Ah, je vais y passer, les gars. Je vais y passer. Ah, Est-ce que je peux atteindre la limite, les gars, en courant avec ce gros porc? Peut-être. Peut-être. Alors oui, bien sûr. Chaud. Ouais, XP player. On est attendu à la sortie. On est en troisième personne. Regardez la troisième personne, les gars. 3-6. Ah merde, vous balancez 3-6, faut courir. Je me fais tirer dessus, j'ai plus de vie. Oui. Placez bonbonne de gaz. C'est bon, bonbonne de gaz en sécurité. Je peux maintenant mourir. Donc je vais juste me mettre sur le bord d'une route. Hop, oh, il est passé à côté de moi. Un coup de coude, il m'a tué. Les jeunes d'aujourd'hui, dis donc. On a nos armes, on a des plaques, on a un truc en or. Rejoindre hélicoptère d'extraction. Merde. Oh, merde, on complète ça. Ouais. C'est bon, on peut partir. C'est fini pour lui. Un dernier kill. Une triple kid. La triple avant de partir. Double smoke, on part. Décolle, Francis, décolle. On prend de l'altitude. Je viens de débloquer bruit écarlate. Mais là, on n'a pas le temps pour lui. On s'échappe. C'est bien, Francis. Oh mon dieu, l'explosion atomique. Il y avait encore mes amis sur place. Non. Les bonbons sont dans les barils. Gaz sécurisé. Ah. De la cinématique. De la cinématique. De la cinématique. Oui. Non, le prank a mal tourné. On avait dit à Greg Guillotin que c'était dangereux. Il ne savait pas à ce point. Allez, ça dégage, Greg. Lessivé, gros. Tu feras plus de fake. Non, c'était les purple couteaux Snake. Ou les hommes de Makarov, évidemment. Regardez la qualité des images, les gars. On est en position. On voit pas de gameplay encore. Mais la qualité est belle. Juste ça, gros. C'est la prison de Verdansk. Qui sait que vous arrivez? Non, Makarov, il va tout faire péter. Ça, c'est la glace du barrage de Dame. Ouais, c'est ça, j'avais raison. Si vous êtes sur place, dégagez. Oh, le stade brûle. Le stade brûle. Ok, Team Ukraine apparemment.
l'opération coffre d'armes et obtenez le pack d'opérateurs ennemis jurés. La musique était grave stylée. Mais je m'attendais pas à ça, pour être honnête. J'ai trouvé le trailer très joli. Je pensais être téléporté sur la nouvelle map, pouvoir tester un peu, je sais pas, tu vois, que d'un seul coup on ait des mouvements, que... Je pensais qu'il y aurait un peu plus que ça. Actuellement, un Verdansk, par exemple, avec les mouvements de MW2, c'est un peu comme si tu foutais un mec de 170 kilos à Basic Gym, tu vois. Un jeu avec des mouvements, sur la meilleure map qu'on ait connue, avec un système anti-cheat, avec la météo. On aura la réponse quand ça sort. C'est donc le 10 novembre qu'on aura la réponse de ça. Après, attention, 10 novembre, MW. Il n'y a pas d'annonce Warzone, on est d'accord. Les Ultras, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Belle soirée. On se capte bientôt et dès qu'il y a des nouvelles de MW, je vous tiendrai au courant, vous connaissez.